Les gens des États-Unis, je suis réveillée. Je fais les beignets maïs pour vous. Je suis en train de faire les beignets maïs pour les gens, les mamans Makala. Mamie Makala, pour les gens des États-Unis, vous allez goûter mes beignets. Oui, en attendant. Maman. Wow. Vous me connaissez toujours là. Même que Najou, c'est haut. J'ai pensé à toi. Hein? Ouais, même que Najou. C'est vraiment périsseur. Et on va attacher le foulard. Comme elle fait les beignets. Ouais, boum, que non, maman. Boum, que non, je bois mon champagne. Tu es où? Oh là, comme boum, que non, c'est là. Ouais, les ténébreux, les ténébreux. Les ténébreux, maman, c'est là. Et porte le chapeau de maman. Là. En tout cas, elle a quoi? Elle a son enfant, elle a tout vendu les champs. Maman, j'aurais quoi? Elle va hériter que les choses comme ça. Et bien, les foulards. Si elle n'est pas là, j'hérite quoi? Je commence à porter ma part. Ils ont à manger pour eux, non? Je commence à porter ma part. Attendez, j'arrive. Mets-lui le feu. Ouais, mon non, ça ne chauffe pas, maman. T'inquiète. C'est comment? Je suis en train de vous faire les beignets Mami Makala. Je suis en train de faire les beignets maïs, les beignets bananes pour les gens des États-Unis. Restaurant USA, WhatsApp audio.
Oui, ma soeur chérie. La madre des madres. La madre. C'est comment la madre? Container of the madre. Celle qui a pris le pouvoir à Houston. Pas le bébé bébé. La doyenne de Houston. Toujours combattue, jamais abattue. Je suis là, ma soeur, et toi? How are you? Good morning. Still asleep? Ah, ok, you're welcome. Je sais que quand je balance que j'arrive aux États-Unis, tous les gens des États-Unis commencent à me chercher. J'arrive à taper le salam. Donc, je viens là, j'arrive samedi. Il y a quelque chose à me proposer. Il y a quoi? La convention. Où? 28 à Dallas, 28, oh, c'est loin, hein. Il faut que je change les billets. Non, mais dis-moi un peu, tu ne veux pas qu'on organise l'Ouganda à Dallas? Toi et moi, on organise l'Ouganda, on chope les dos sur ça. Ok, cherche. Après. Oui. Oui. À côté, ça sera quel jour? After, oui, after party. After body. Ok. Ok, je vais rentrer le 2. Je vais rentrer le 3 parce que j'ai un truc à. Il y a Alain Foucault qui ouvre sa chaîne de télé au Congo. Donc, du 28, je peux rentrer le 2 septembre. Ok. Attends, je te suis. Donc, elle dit que je t'aime, c'est ça. Hein? Entre toi et moi. Non, je ne tue pas. Là, j'arrive. Là, j'arrive samedi. Je vais à Atlanta. J'ai un truc là-bas. Et puis, je vais à Washington. Je reviens le 20. Et la convention, c'est la fin du mois. Ce mois d'août, nous sommes au mois de juillet là. Voilà. Et tu vois un peu ce que je veux dire, non? Donc, je vais revenir. Je vais revenir pour Dallas. Je vais revenir. Donc, vois avec elle, tu gères comme je t'ai dit là, tu vois. Parce qu'elle doit revenir. Je pars, je rentre là le 20, je quitte le 20 aux États-Unis pour rentrer. Et je reviens la fin du mois, en fait. Je reviens fin du mois pour Dallas, non? Ok, donc il n'y a pas de problème. Gère ça, crois-tu que voilà ce que j'ai dit. Je ne serai pas. Tu reviens vers moi, ok. Tu dis que c'est entre nous. Elle ne dit à personne, hein. Oui, que c'est que entre elle et moi, entre nous. Oui, d'accord, maman, toute. Bon, les gens des États-Unis, vous savez que je suis là, non? Maman, je suis là. J'arrive là samedi. Mary là, je m'amuse, je serai. Je serai à Tacoma. Je vais tourner. Les États-Unis, vous savez que c'est vous qui nous mettez en haut. Oui. Quelqu'un dit que ma photo, code Orange Money Europe. Ok. FDL OME. Voilà mon code Orange Money Europe. FDL OME. Il y a même une personne qui m'a envoyé ma tenue de la convention. Une bonne couturière au Cameroun. Elle m'a envoyé ma tenue de la convention. Je vous montre un peu. Je baisse le volume.
Regarde, c'est m'habiller comme ça. Le problème, c'est que le ndop, ça salit trop. À quelle heure chemise? On se voit mercredi chemise, non? Moi, je viens aux États-Unis, le tout, je viens pour une semaine. Mais je reviens à la fin du mois pour la convention Bamileke. Dans les cœurs chauds. Maman, en ce moment, regardez mon visage. Je me suis réveillée là, hein? Je suis en train de faire les beignets. J'utilise en ce moment, à l'heure où je vous parle, la crème nettoyant. Le crème nettoyant visage. Crème nettoyant visage. Crème nettoyant visage de chez Teint Parfait. Voilà, crème nettoyant visage. Je n'ai pas, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de mettre le filtre. Voilà, crème visage, le nettoyant visage, ça coûte seulement 10 euros. Vous nettoyez le visage. Je t'aime parfait, Bangladesh. Demain, soyez connectés sur le. Soyez nombreux en direct demain. Vous aurez le Marketplace de la PDG TV. Tout à l'heure, après avoir fait mes beignets, j'ai mis l'huile au feu, j'ai tourné les beignets depuis le matin. Après ça, je vais faire. Je vais me nettoyer le visage. Je vais poster une vidéo de mon petit soin. Oui, j'ai porté le chapeau. J'ai porté l'une des héritages de mamie. Hein. Maman, je me suis connectée là, comme je vous ai, je me suis connectée là. C'était vous que n'oubliez pas le 2 novembre. Les tables, Rêve Mbiaye a pris un salon. On applaudit pour envoyer le cœur pour Rêve Mbiaye. Envoyer les cœurs pour Rêve. Elle a pris un salon de 5 places. Oui. J'ai noté dans le. Elle a pris son salon. Elle a pris le salon. Dans les Lolomania, prenez le salon de votre star. La NASA. Prenez le salon de votre star. Parce qu'à ma soirée, je ne veux pas beaucoup de salons. J'aurai que 20 salons. Autre 25 salons. Je veux 25 salons, pas plus. 25 salons, pas plus. Dans la NASA de Lolomania. Je vous appelle à prendre le salon pour votre star. Parce que soyez nombreux. Elle va entrer en grande pompe. Pour la première fois à Paris, sur la place parisienne. Je dis bien, et je pèse mes mots. Les Lolomania, sortez, venez encourager votre star. J'ai dit, je mettrai les blogueuses en haut. Les blogueuses qui ne veulent pas être en haut, c'est leur problème. Ce n'est pas de ma faute, je fais ce que je peux. Mais c'est à vous les stars, c'est à vous les teams, c'est à vous de vous lever, vous soulever vos stars. Il est important pour une star d'être soulevée par ses fans publiquement. Parce que c'est ça qui donne le goût d'inviter encore. Moi, ça m'a fait plaisir hier parce qu'il y a une vérité qui a été dite hier. La vérité qui a été dite hier que j'ai aimé, c'est la vérité qui a été dite par mon ex-copine. Elle a dit, c'est elle qui avait choisi d'être derrière avec ses fans. Sinon, moi, Fleur de Lys, j'ai prévu sa place devant, sur la scène, parce que je l'ai considérée comme une star. Mais elle a dit, pour ses fans, elle voulait être derrière. Elle voulait être avec ses fans derrière. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'une star, peu importe où elle est, quand tu es une star, que la lumière brille sur toi, peu importe où tu es, les fans viendront toujours vers toi. Mais il est important pour une star qui a le vent en poupe, d'être sur les lumières et d'être sur le devant de la scène. Sinon, pourquoi accepter d'être star? Quand on est star, sa place est au premier banc. Sauf si la star choisit elle-même d'être où elle veut. On respecte la volonté de chaque star. La prestigieuse nuit de l'ambiance dernière, c'est mon ex-copine qui a choisi d'être où elle voulait être.
Sinon, je l'avais mis sur le devant de la scène. La soirée la plus visible de l'année à Paris, c'est la prestigieuse nuit de l'ambiance. Les cœurs, je fais un petit briefing sur Magnit 5 étoiles en disant, j'ai écouté, elle ne m'a pas insulté, elle est libre d'aller où elle veut, mais c'est blessant. Je l'ai mise en haut. Je ne la connaissais pas. C'est Miche, une fille baleine qui est en Belgique. C'est Miche qui m'a fait la connaître. Et j'ai fait les publications de remerciements à cette dame pour la remercier d'être venue. C'est Miche en Belgique qui a recommandé les baleines, ses amis de Paris, de venir à la soirée. Ils sont venus. Je les ai bien reçus. Certains, j'ai même demandé de rembourser. Ils ont dit que non, ma faute. On préfère rester le debout debout. Mais cette fille de Belgique, au nom de Magny, elle a tourné dans la salle. Elle a fait les vidéos. Elle a fait les photos avec tout le monde. Si elle n'était pas à l'aise à ma soirée, est-ce que serait-elle restée? Je ne pense pas. Mes chers frères et sœurs, j'ai entendu qu'on ne l'a pas tenu la main. Je vais la tenir la main pour traverser la route. Vous m'avez souvent vu commenter dans ces lives. Je vais tenir sa main pour traverser la route. Hein? Je suis souvent venu dans ces lives. Je suis souvent venu dans ces directs. Mais c'est choquant. C'est blessant. De voir une femme comme ça, une mère d'enfant, une personne qui a peut-être encore ses parents, monter dans un direct où on lynche votre mère. Monter dans un live, elle est libre d'aller où elle veut. Mes chers frères et sœurs, parfois, hein, on peut regarder mal à la fenêtre. Même si on apprécie comme on lave son prochain, tu supportes dans ton cœur une personne qui était à ma soirée, une personne qu'on m'a recommandée, qui est venue, qui a payé sa place à 100 euros. Qui a payé sa place à 100 euros, qui a pris son convoitoire à 60 euros, aller et retour. Je l'ai bien reçu. Je ne peux pas cracher dessus. Elle ne peut pas monter où on lynche ma mère. Je dis non. Magne 5 étoiles, je te vois. Tu ne peux pas monter où on lynche ma mana. Tu ne peux pas. Je ne peux jamais t'insulter. Parce que t'insulter serait me rabaisser. Je t'ai connu via Miche. Missika, parce que Missika et moi, ce sont les baleines. Mais j'ai toujours dit que j'ai une famille à baleines. C'est Missika qui me dit que, qui me comptait, m'envoie vos deux, c'est elle qui m'envoie même ta photo. Mais elle ne pouvait pas être là. Tu es venue à ma soirée. Tu as dansé, tu t'es amusée. Ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On était même dans un after après ensemble. Maman, même s'il y a quoi, je ne te commande pas. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience. Tu as dit que j'ai exposé les mamans des gens. Maman, si une maman vient confier sa sérologie, que ce soit vrai ou faux, est-ce que c'est ma faute? Tu nous as trouvés. On est sur ces choses de clash. Tu m'as rencontré, tu m'as vu. Que ce soit en privé ou en public. Est-ce que je ressemble aux choses de Facebook? Hein? Tu as pris ta place. Tu as pris ta place sur la table de disque qui était 100 euros par personne. J'étais bien reçu. C'est Missy Cab qui m'a envoyé. C'est elle qui m'a recommandé. Maman, qu'est-ce qui n'a pas marché? On insulte cette vieille dame qui est couchée là. Nous sommes jeunes. Qui est en train de partir? Qui est déjà en train de prendre sa route pour dire bye bye? Ça te fait pas mal de monter là, on insulte maman, hein? On insulte une vieille mère comme elle. Ça ne te fait pas mal, ma chérie. Je te pose juste la question. Parce que nous sommes jeunes. Même si elle souffre de n'importe quoi. Elle a eu la AVC même dans le sommeil. Elle a tout eu. Mais je suis en train de l'accompagner. Mais ces femmes sur qui tu montes, t'aimes lynche là. Elle peut te dire, je lui ai jamais rien fait de mal.
Je dis rien. On diabolise les gens sur Facebook pour rien. T'as ma zout là où tu montes dans les directs. Jusqu'on on peut t'applaudir. On peut te prendre où tu veux. Mais moi, j'accompagne ma mère. Je l'accompagne. C'est une maman qui a beaucoup souffert pour nous. Comme elle dit toujours, Dieu m'a choisi pour elle. Parce que quand Dieu te donne un enfant-fille, ce sont les enfants-filles qui s'occupent de leurs parents. Tu sais, tu es une personne que je connais dans la vie réelle. Cette dame chez qui tu montes dans le noir, moi, je ne la connais pas. Ça, ce qui me choque, c'est que tu étais à ma soirée. Ça veut dire que tu peux me mettre le poison. Je peux laisser mon verre comme je suis une junkie. Je peux laisser mon verre, tu me jettes quelque chose dedans, maman. Hein? Tu as pensé qu'on s'est vu? Tu peux monter là, on lynche chez ma mère? Ou on clash ma mère, tu montes? Moi, que ce soit moi. Moi, mais ce n'est pas facile. Mais tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te permettre. Moi, chacun ses faiblesses. Ma faiblesse, c'est ma mère. Quand on touche à ma mère, je pète les plombs. Il y a beaucoup de gens que j'ai bloqués parce que ils ne m'ont rien fait. Juste vérifier comme ça. Surtout les gens que tu connais dans la vie réelle. Parce que tu es déjà rencontré. À chacun sa vie. Tu es libre d'aller où tu veux. Tu ne m'as pas insulté. Mais monter là où on m'insulte et dire que non. Ma chérie. Monter là où on m'insulte. Alors qu'on s'est vu. On a dansé ensemble. On a un joker. Je dis, ça ne se fait pas. Ce n'est pas gentil. Ne choisis pas ce que tu fais. La mienne, je l'assume. Je marche selon son rythme. Je l'assume. Je suis à ses côtés. Quand je ne suis pas là, je m'arrange. Je prends soin de ses bébés, ses enfants. C'est comme tes enfants. Ma mère, elle est aujourd'hui comme elle, les enfants que tu as à la maison. Elle est comme un enfant. Elle est comme un bébé. Comme un bébé. Le matin, je me lève, je la lave. Il y a les jours que je la lave deux fois. Mais les médecins m'ont dit, c'est une fois, pas deux fois. Il y a les jours même que moi, je me suis fatiguée, je ne la lave pas. Je m'occupe, je l'accompagne. Vous, les gens qui me connaissez, laissez-moi accompagner ma mère doucement. C'est ma zouk là qui m'insulte. Quand vous dites que je suis venu exposer les mamans des gens, dites-moi, tu parles de quelle maman? Vous parlez les mamans de qui? Une maman de sa propre fille. Vous l'avez exposée. Regarde Tema Zouk là. Regarde comment il fait passer sa mère sur Facebook. Si demain, il y a les voices, on commence à mettre. Vous avez dit qu'on a exposé sa mère. Comment vous dites qu'on expose alors que c'est vous-même qui exposez vos mamans? Parce que vous cherchez les boucs émissaires. Vous cherchez les personnes sur qui vous allez mettre ça. Ce n'est pas gentil de ta part. L'âge que maman a, je ne suis pas sûr que nous on va atteindre cet âge-là. Magnifique 5 étoiles Promax, visage souriant avec une auréole, visage souriant avec des cœurs, Belgique, WhatsApp audio. Je vais prendre. Oui, Magnifique 5 étoiles. J'ai mis le haut-parleur. Hein. J'ai mis le haut-parleur. Bonjour. Je peux parler, maman? Oui, non, non, je ne vais pas te couper, je te laisse parler. Mais le nom de voilà. Cette femme-là, où tu passes dans le noir, je ne veux pas. Mieux, tu dis que tu as connu. Je préfère que tu abrèges, tu comprends, non? Et oui, oui, on va se parler. D'accord, maman, je t'écoute. Okay. Je lance les billets, un tout. Maman, je suis en train d'écouter le direct. Comment on fait? Vous avez fait le direct ce jour. Mm-hmm. Et puis, je circulais sur Facebook comme ça. Vers la minuit, je suis sortie faire pisser l'enfant. Mm-hmm. Et puis, j'entends une dame qui est dans le direct. D'abord, le jour-là, elle parlait de son ex-patron, pas de toi. Mm-hmm. Donc, la dame est montée, dit qu'elle a les cartouches sur son ex-patron. Et elle a parlé en anglais comme le pidgin. Oui. Tout le monde était mort de rire. Donc, quand elle monte le direct, comme je me fais les shows de rire, je veux rire l'anglais de la dame. Donc, je suis en train de limiter que ma moda, à ma foda, à ma fada. C'est comme ça que je suis en train de rigoler. Mm-hmm. Et les gens vont même rire dans le direct. Mm-hmm. Et après, je renchéris en disant que, ouais, courage à toi. Pour ce que tu subis avec ton ex-patron. Parce que ma photo, tu subis ça souvent ici, que tu es avec quelqu'un. Mais quand tu dis que ton ex-patron, ça veut dire que tu connaissais déjà cette page. Moi, j'ai une question à te poser. Tu comprends, non, Mani? Je te laisse là t'exprimer, tu vois.
Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que je te coupe si tu es en train de parler, tu comprends. Je te laisse d'abord t'exprimer. Ok, ma, vas-y. Non, parce que frère, dis que je ne connais pas la page, c'est être hypocrite. On connaît toutes les pages sur Facebook, nous on ne monte pas. On connaît les pages à scandale, on connaît les pages qui ne font pas de scandale. C'est une nouvelle page qui est là depuis. On voit les guéguets qu'il y a dessus. Frère, on dit que je ne connais pas la page, c'est être de mauvaise foi. Mm-hmm. On voit tout, non, maman. Quand vous me dites que pourquoi elle suis montée, ça veut dire que je pouvais voir, je sais que c'est Flore ou maman Anna ou n'importe qui, on est là-bas, je ne monte pas. Dites que je ne connais pas la page, ce serait être hypocrite. Mais oui. On voit tout ce fait pour maman. Les gens créent les pages, il y a des guerres, on voit, non. Donc quand je monte ce jour, voilà, je suis sortie direct, j'ai vu, on est en train de parler l'anglais. Mm-hmm. C'est l'anglais qui me fait monter. Je rigole de l'anglais, après lui donne mon soutien. Dites que, ouais, c'est souvent aberrant que tu sois avec quelqu'un, et puis du jour au lendemain, vous versez comme ça. Ce n'a rien à voir avec toi, encore moins avec maman Anna. Non. Maman, j'ai perdu mon père ici en 2022. De façon brusque, je n'ai jamais accepté qu'on ait tué maman. Ok. Dis-moi, en tant qu'une personne avec qui on a été ensemble, c'est parce que je suis en train de lancer les beignets, tu vois. Une personne avec qui on a été ensemble, on s'est amusé et tout et tout. Dis-moi, est-ce que j'étais offensée même indirectement? Je ne sais pas. Sois honnête, parce que tu sais que de quoi tu peux même être avec les gens. Tu offenses quelqu'un sans savoir, non. Quelqu'un commence à t'en vouloir sans que tu saches. Parce qu'on ne sait jamais dans un truc événementiel. Peut-être que quelqu'un t'a dit peut-être un mauvais mot là-bas. Ou bien quelqu'un t'a blessé. C'est de mon devoir. Non. Je te dis que, ouais, maman, pardon. Tu as vu comment c'était. Non. C'est mon devoir de m'excuser. Et je n'ai pas honte Non, Flore. Mais j'en viens. Non. Moi, je sais qu'il y a une première fois où tu m'as. Tu me dis que tu es fâché de moi, je ne sais pas pourquoi tu as lancé un direct pour m'insulter une première fois. J'ai pas compris. Ah bon, c'était quand moi, pardon, dis-moi. En 2021, un jour, tu as fait un direct, tu parlais d'une dame de Bruxelles, et puis tu as parlé de moi, oh, mes enfants ont différents pères, et tout, après tu reviens, que tu les laisses tomber. Non. Moi, je n'ai jamais parlé de toi. La seule personne, écoute bien ce que je te dis, parce que quand vous entendez les choses que vous ne comprenez pas, vous dites que vous, ma, je ne connaissais pas ton nom. La seule personne que j'ai eue à parler d'elle, c'était Solange Yemeni. On s'est expliqué. En dehors de toi, soit c'est toi qu'une fille a ramené, vous étiez deux filles que vous buvez les canettes de bière. Je ne sais pas si c'est toi qui étais le direct là, qu'on avait lancé deux filles. Mais ce que je ne connais pas. Ce que je ne connais pas. Si je t'avais parlé de ma pour Yemeni et ma Nissan que toi, tu as même parlé de mes jumeaux. Moi aussi, envoie-moi la vidéo là, je vais m'excuser. Je vais t'envoyer sur WhatsApp. Non, envoie-moi. Je ne veux pas moi te répondre parce que tu es ma. Non, je préfère que. Je préfère quand il y a un truc, Emma, je préfère que tu m'envoies. Tu comprends? Parce que je ne peux pas. On ne se parle même pas encore. C'est via maman Alice que je te parle, Emma. C'est même pas après-midi. Non, je vais t'expliquer. Non, je vais t'expliquer un peu comment, pendant le truc, comment je t'ai connu. Pendant l'événement, c'est Missika, non? Missika. Oui, c'est ton ami. D'ailleurs, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. C'est elle qui m'envoie même tes photos pour faire les confirmations. Tu comprends? Tu sais ce qui m'a choqué? Dis-moi, quand tu montes dans un live, tu dis que tu es super. Quand tu pars dans un live comme ça, même si tu n'étais pas. Quand tu pars dans un live comme ça, tu écoutes comment on insulte maman Anna. Ça te fait mal ou pas? Ça te fait mal? Ok, on coupe. Est-ce que cette dame qui m'insulte, tu n'as jamais entendu comment elle m'insulte? Est-ce que tu m'avais entendu parler d'elle un jour? La femme chez qui tu montes là? Bien sûr, ils ont le non, je demande pas à maman, puisque tu crois que. Est-ce que tu m'as déjà entendu parler de cette femme? Non, un jour. Non, moi je t'ai entendu. Ok, est-ce que tu comprends son acharnement et les gros mots qu'elle a vis-à-vis de nous? Parce qu'elle est venue derrière Dorcas. C'est Dorcas qui l'amène, c'est sa patronne qui l'amène. Mm-hmm. Tu comprends un peu? Elle est venue derrière Dorcas, elle a commencé son acharnement. Moi, j'ai fait ma sortie. C'est hier que j'ai appris que tu es passé là-bas. Tu es une grande fille. Tu n'es pas une enfant. Moi, ça m'a choqué le fait que. Moi, on me dit, je n'ai pas vu. On m'a dit que. Moi, il sait que tu es passé. Tu n'as pas dit que quoi? Non, c'est une personne que je connais. Tu es sidérée. Non, ce n'est pas question que tu m'as insulté. Tu vois? Magny, tu es libre d'aller où tu veux. Tu comprends? Mais ne jugez pas les gens. Insulté, jamais posé un mot. Et j'ai dit quoi? Souvent la fille vient dans le direct, elle me salue. Moi j'ai souvent cette loyauté là. Quand je viens maintenant à mon direct, je pose chez toi, je salue. Magny, quand tu es revenu de la soirée, j'ai fait un post pour te remercier que je remercie Magny 5 étoiles d'être passé. Que tu as partagé d'ailleurs. J'ai publié sur mon mur. Tu sais, Magny, le aide-moi à détester n'est pas une bonne chose. Je te dis la vérité. Parce que ces femmes-là sont cachées derrière le noir. Elles sont cachées derrière le noir. Nous avons des familles. Les abeilles me font depuis
c'est comme si c'est moi qu'on a. Maman, les abeilles, non. Les abeilles sont des personnes qui regardent tout. Moi, je te dis, je n'ai même pas vu. Tu comprends? Je n'ai pas un problème avec toi. C'est que moi, je viens là-bas parce qu'elle me soutient souvent. Et je ne mettrai jamais ma caméra un jour. Mani, le vrai soutien, il faut lui dire qu'elle sorte du noir, non? Elle te soutient. Elle sort du noir. Elle te soutient. Tu as compris ce que je te dis? Parce que le lynchage gratuit, que ce soit Lolo, que ce soit moi, que ce soit les autres, tu comprends? Les gens. Les gens sont fatigués. Maintenant, toi-même, tu ressens sur ton corps, non? Tu ressens ça sur ton corps, non? Tu ressens, non? Non, même si tu m'appelais, j'allais te dire que tu cherches quoi là-bas. Tu penses que les gens créent les faux profils. Les gens ne montent pas pourquoi? Les gens ne montent pas parce qu'ils pensent à leur famille, Mani. Tu as des enfants. Tu as ton mari. Même s'il faut monter, mieux tu montes chez les personnes qui sont visibles. Mieux tu partais même monter, même chez quelqu'un, même chez Décom, même chez n'importe quel détracteur qui a le visage. Tu n'as pas honte d'aller monter dans le noir, Mani. Dans le direct, dans le noir. Maman, dans les ténèbres, ma soeur, pardon, je n'ai pas le problème avec toi. J'enlève mes beignets. Pardon, attendez, j'enlève le premier tout. Oh, Mani, c'est que toi, oh, là, c'est ta manière de ça. Oui, le... Ok, attendez, pardon, je retire le premier tout, je viens. Vous les gens des États, vous prenez trop le travail. Là, je sens que je fais les beignets, c'est non quoi venir aux États-Unis. Peut-être que ça ne va pas dire, vous allez congeler. Hein. Regardez la main des enfants. Des enfants qui ont grandi au village là. Dieu. Les enfants du village là. Les enfants du village. Je fais les achomons. J'ai coupé Mani 5 et toi parce qu'elle va aller dans le nombre de la fille. Ce n'est pas noir, c'est juste que, vous voyez, non. Attendez. Bon. Donc, je ne comprends pas cette histoire de soirée. La dernière fois, je vois aussi Waris qui dit qu'il a payé 1500 euros, c'est monté ou c'est 2000 euros. Comme chacun vient dire sa part. Quand Balata était malade, quand Balata faisait son anniversaire, j'ai dit à Balata que Balata, je ne peux pas être là. J'ai appelé Balata qui était avec Sydney. J'ai envoyé quoi que 120 euros pour son cadeau d'anniversaire. Entre 120 et 130 euros, que voilà ton cadeau d'anniversaire. Balata, je ne peux pas être là. Je sors d'une opération du debout-debout. C'est mon corps, je fais de ça ce que je veux. J'étais rentrée, ça faisait deux jours. J'ai envoyé 120 euros ou 130 euros à Balata pour lui souhaiter joyeux anniversaire que je ne peux pas. Ça a été ma grande surprise de voir Balata commencer à parler. Comment la table de Balata, ils étaient dit, chacun paye 150 euros. Et je remercie d'être venu. Mais ce n'est pas pour un anniversaire que je ne suis pas venu. Combien de personnes l'ont envoyé le cadeau? Qui va se permettre de me parler n'importe comment? Ce n'est pas bien. Hein? Mani 5 et toi, il n'y a pas de problème. Je voulais juste m'expliquer. Tu sais, quand tu connais une personne, et que tu entends que la personne est passée dans un direct où on t'insulte, ça te fait mal. Je ne vais pas te mentir, ça m'a fait mal. Parce qu'elle te connaît. Je considère que tu es une personne qui est la famille que je connais. Parce qu'elle te connaît derrière ma petite soeur, un membre de ma famille. Cette femme où tu passes dans le noir, lui donner le soutien. Mais elle est dans le noir. Elle ne te connaît, tu ne la connais pas, elle est dans le noir. Chacun est libre d'avoir son soutien. Même les diables de Facebook ont leur soutien. Moi, ça m'a fait mal parce qu'on a un joke ensemble. On a dansé, on s'est amusé. Et du jour au lendemain, te voir monter dans un live. Mais je ne comprends pas. C'est hier que j'ai appris. Moi, je ne savais pas. On s'est compris. Tu es une manie. Vraiment. Les abeilles, ne l'insultez plus. Pardon, laissez-la. Chacun sa vie dans les placards. Mieux elle monte même chez mon ex-co. Ou elle monte même dans mes potes qui dirait visible. Pas dans le noir. On ne peut pas te soutenir dans le noir. Moi-même, je rêve. Oui, la petite soeur d'une star est une star. Oui. C'est ça, maman. Une personne qui est dans les ténèbres aux États-Unis, ma. Hein? C'est une ténébreuse. N'insultez pas Mani 5 et toi. C'est ma soeur. C'est ma yam. C'est ma yam. Et c'est. Donc, du coup, aujourd'hui, les cœurs chauds d'amour. Merci, rêve. Merci, ma petite soeur. Merci.
Même s'il y avait eu quoi avant, hein, c'est fini. C'est l'heure de gagner l'argent. C'est l'heure de la soirée, maman. C'est le 2 novembre. Donc, même s'il y avait quoi, même si tu m'avais insulté, oh, même si elle t'avait insulté, hein, on oublie ça, maman. C'est l'heure. On est, nous sommes les bams ou pas? Nous sommes les gens du village ou pas? On cherche l'argent. Alors si, n'importe qui arrive à ma soirée, paye sa table, je vends, il y a encore une personne qui ne vient pas. Il y a encore une seule personne qui ne met pas les pieds à ma soirée. Il faut dire à Tata Naha de prendre sa table. Hein. Attendez, lance les beignets. Pendant qu'il lance les beignets, on écoute un peu boum qu'on a dit. Bon, boum, que non, attendez, lance les beignets. Oh, maman Lili de la Tour, boum, que non, fait le Congo ça sur toi, oh. Maman, on doit finir le chantier, mais attendez, lance les beignets, là. Maman, quoi c'est dur? Attendez, je mets ce que je voulais mettre plus tôt. Oh. Attendez, Pache. J'ai vu un truc de boum là. J'ai Wanda. Oh, j'ai vu ça chez eux. Écoutez, boum que là. C'est la même chose que ma fondoie a fait avec moi. Vous voulez me détruire? On a envoyé derrière moi. On a demandé une cible sur quel bout de moi. Ma peau est amère. Adama. Elle était marche avec. Je marche avec ça, le chapelet. Hein, boum, que n'as tu pris de la maman? Je marche avec le chapelet. Oh, oh. J'ai ma Bible. Avant de dormir, je lis le psaume. Avant de dormir. Ah bon, hein? Avant de dormir, je lis le psaume. Je lis le psaume chaque soir avant de dormir. Ma fille et moi, nous sommes protégés par le sang. Amen, boum, que vous qui partez en voile aujourd'hui à ma mère pour monter ma mère. Contre. Hein? Je ne vous dois rien. Ah bon? Je suis pauvre, je suis Isaac, je suis Boumkena. Maman! Je suis pauvre, je suis fière d'être pauvre. Vous voyez les gens qui meurent tout le temps à la Méditerranée. Les gens meurent chaque jour à la Méditerranée. C'est Dieu m'a fait Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur terre. Ah bon? Je suis jeune. Tu es jeune? J'ai la vie devant moi. Je suis pas gros. C'est les vacances. C'est même parce que tu as envoyé l'audio là. Viens en France, non? C'est sur les réseaux sociaux. Voilà le chat, je montre le chat de femme qui vous êtes. On a la télé de femme, je vais mettre tout à l'heure. C'est le voice de Boumkena. Écoutez la sorcellerie, hein. Attendez, maman Julia, mais bonjour. Attendez, on a la télé de femme. Ah. Maman Langassi est toujours là. Ouais. Ouais. Boumkena, Boumkena, tu es toujours là. Ah, tu vas bien, maman. C'est oh, tu es toujours à l'église ou bien tu as trouvé l'appartement. Hein? Mboumke, c'est rare ou non? Maman, Mboumke n'a dit qu'elle marchait avec le chapelet. Mboumke n'a qui t'avait envoyé? C'est un voice, une confidence que Mboumke n'a est venu me laisser la confidence. C'est le voice que Mboumke n'a laissé. Mboumke n'a. Écoutons. Mes valises. Les Camerounais écoutent. Hein? C'est quoi avec vous? C'est quoi avec la sorcellerie? C'est la même chose. Que ma fondoie a fait avec moi. Vous voulez me détruire? Hey. On vous a envoyé derrière moi. On vous a demandé une cible sur Facebook de moi. Ma mère.
J'ai une question. S'il vous plaît, les abonnés de Mboumkna, les gens qui connaissent Mboumkna, je veux savoir, elle a eu combien finalement? Combien est-ce qu'elle a eu pour son litchi? Elle a eu combien? Hein? Dites à Tana de venir réserver sa table. Hein? Il a dit, hein? Mboumkna, elle a eu combien? Une personne peut être star avec sa mère sur Facebook, ma. Elle est le 16, sa mère est le 17 de Facebook. Là, maintenant, elle parle du 17 de Facebook. Mboumkna, arrête de parler du 17 de Facebook. Hein? Yeah, Mboumkna, oh. Mboumkna dit que quoi? Mboumkna. Les gens. Yeah, Mboumkna. Oloko. 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 Elle raconte quoi, Oloko Mboumkna? Écoutons, Oloko Mboumkna. Elle dit les Camerounais. Quel Camerounais la suit? Ouais, attendez. C'est que j'ai envie de recommencer parce qu'on doit bien écouter ce que Mboumkna. Mboumkna, laisse un message aux Camerounais. Mboumkna, laisse un message. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec la sorcellerie? C'est la même chose que ma Fondoua a fait avec moi. Vous voulez me détruire? On vous a envoyé derrière moi. On vous a demandé une cible sur Facebook. Moi, ma peau est amère. Je marche avec ça, le chapelet. Je marche avec le chapelet. J'ai ma Bible. Avant de dormir, je lis le psaume. Avant de dormir. Avant de dormir, je lis le psaume. Je lis le psaume chaque soir avant de dormir. Mboumkna comme souké. C'est de qui? Ouais. Mboumkna est comme souké. Quand même. Mboumkna est de fabule. Mboumkna est comme souké. Monica Jazz. C'est comment? Ouais, je t'ai cherché. Rêve ne t'a pas dit. Mboumkna est comme souké. Attendez, maman souké. Oh, souké, c'est rigé. C'est rigé. Souké. Mboumkna est comme souké, maman. Elle est là comme souké. Attendez, cherche. Mboumkna, pourquoi prendre le. Pourquoi ressembler à la star de maman comme ça? Mboumkna, arrête de ressembler à Souké. Chaque soir avant de dormir. Ma fille et moi, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Amen. Vous qui partez envoyer les rubis à ma mère pour monter ma mère contre moi. Je ne vous dois rien. Je suis pauvre. Je suis Isaac, je suis Mboumkna. Souké! Ouais! Souké! Mboumkna Souké! Souké! Attendez, ferme! Mboumkna, bois mon champagne, j'ai quoi à perdre? Mboumkna! Je bois mon champépi, je teste un champagne qu'elle veut pour vendre le 2 novembre. Et c'est très bon! Un très bon champagne! Mboumkna! Yeah, Mboumkna, oh loco. Je suis beau, je suis fier d'être beau. Ça. Vous voyez les gens qui meurent peut-être en Méditerranée. Les gens meurent chaque jour en Méditerranée. Si Dieu m'a fait grâce, en fait, Dieu m'a fait grâce. J'ai encore beaucoup de choses à vivre sur terre. Je suis jeune. J'ai la vie devant moi. Je suis pas accro, c'est les vacances. C'est même parce que tu as envoyé l'audio là que j'ai décidé de venir te dénoncer sur les réseaux sociaux. Vois le chat, quand je montre le chat de femme qui vous aide. On a appelé 200 personnes, je vais mettre le clé. Les lunettes de souké. Attendez, maman, bonjour. Attendez, on a atteint 200 personnes. Attendez, mets l'audio pour écouter la sorcellerie. Comme si moi je n'ai pas dit. Écoutez la sorcellerie de Facebook, maman. Maman. Je sais pas ce que moi j'ai faux. Je sais pas ce que. Même ce que j'ai dit sur TikTok, parfois je peux faire des directs, même parfois j'ai même peur de faire des directs parfois. Parce que la peur. Hey.
Il a peur de faire les directs. Écoutez. Bonjour, maman. Écoutez. Mais Nicole a mis un PayPal. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà, je pense que les gens ont déjà assez cotisé. En tout cas, je te reviens. Je vais aller voir ce qui se passe. Je te reviens. Le blanc des blancs. Tu allais boire le blanc. Rêve, je te mets un cadeau d'une bouteille de champagne sur ton salon. Je ne sais pas pour quel but tu vas te dire à ma mère. Oloko, c'est la vérité. Oloko, Oloko. Pour qu'elle revienne sur moi, tu ne sais pas pour quel but. Allez, tu vas entrer en contact avec ma mère pour parler de ça. Quand tu dis que tu reviens. On cotise le PayPal. Tu la reviens. Vous voyez donc. Regardez les détracteurs. Vous voyez donc comme boum que na escroc. Ouais, comme Boumkena fait déjà comme si sa mère souffrait trop. Quand on donne le litchi, Boumkena ne veut pas que sa mère n'ait ce qu'on a donné. Alors, au lieu que Boumkena donne une personne qui a crahi, qu'il y a le litchi. Maintenant, Boumkena est donc énervé. Ouais, au lieu que Boumkena, pourquoi Donc, pourquoi t'énerver quand on dit à ta mère qu'il y a un litchi? Tu as dit que c'est pour ta mère. Boumkena, tu dois lui donner. C'est elle qui met sur le 17. Quand les femmes qui montent ma maman contre moi. Personne ne peut monter. Quand vous ne vous entendez pas avec vos parents. Les Camerounais écoutent. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec la sorcellerie? C'est la même chose que ma fondoie était avec moi. Vous voulez me détruire? On vous a envoyé derrière moi. On vous a demandé la, une cible sur quelle bouffe de moi, Marco et Amère. Quand quoi? Tu avais dit que tu peux, non? Ok, tu te calmes pourquoi? Continue, non? On t'accompagne. On t'accompagne. Moi, c'est le plaît. Hein? Dès que tu es calme, je viens à pied. J'ai ma Bible. Je lis le psaume chaque soir avant de dormir. Ma fille et moi, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Amen. Vous qui partez en voyage aujourd'hui à ma mère pour monter ma mère. Boumkena, donne le détail à ta mère. Donne ce qu'on a donné pour elle. Je suis Isaac, je suis Boumkena. Je suis Boza, je suis fier d'être Boza. Vous voyez les gens qui meurent tout le temps en Méditerranée. Les gens meurent chaque jour à la Méditerranée. Si Dieu m'a fait grâce, parce que Dieu a vu qu'il a compris, j'avais beaucoup de choses à dire. Je suis jeune. Il a vu devant moi. Tu viens de discuter avec les vieux chouettes. C'est les vacances. C'est même parce que tu as envoyé l'audio là que j'ai décidé de venir te dénoncer sur les réseaux sociaux. Vois le jade. Quand je montre le jade de femmes qui vous aident. On a appelé 200 personnes. Je vais mettre l'audio là. Écoutez la sorcellerie, hein. Oh, sorcellerie. Attendez, maman Julia, oh, bonjour. Attendez, on a atteint 200 personnes. Toujours les mères, va t'entendre avec ta mère. Moi, je ne comprends pas, écoutez. Comme si moi, je n'ai pas dit. Écoutez la sorcellerie de Facebook, maman. Vous, les vieilles mères de Facebook, là. Voilà un Boumkena qui ne s'entend pas avec sa mère. Vous croyez que le maïs, le fait, vous croyez que le porc de sa mère, ça parle à vous? Le cycle, elle va aller tourner le cycle, lancer le port de sa mère. Vous, les vieilles mères de Facebook, là, ce que vous deviez dire à Boumkena, c'est d'aller s'entendre avec sa mère. Il y a des mamans qui sont impossibles de s'entendre avec, mais mieux faire semblant, même publiquement. Vous pensez que vous pouvez prendre la place de cette maman qui a mis sa mère, sa fille au monde? Vous ne pouvez pas prendre sa place. Parce que dans la coutume Bamileke, quand elle va avoir le tchop au champ, quand on va dire que ta mère est fâchée contre toi, va creuser le tchop. Vous ne pouvez pas remplacer ça. C'est sa mère qui l'a accouché de ses entrailles. C'est sa mère, son nombril, son cordon ombilical. C'est enterré quelque part. Vous ne pouvez pas prendre la place de la mère de cette fille. Vous ne pouvez pas prendre sa place. Le bonheur que vous pouvez pas faire à cette fille, c'est de l'aider. Payer un billet d'avion qu'elle aille rencontrer sa mère, que sa mère lance la poule sur sa tête. C'est la poule du village qu'on doit la wendre avec. Et laisser sur sa tête que ça chie. Sur sa tête, Boumkena, la poule du village doit chier jusqu'à ça descend ici comme ça.
l'eau de ça entre dans ta bouche. Parce que la poule du village qu'on va te fier avec, ça va chier sur toi parce que tu as fait fort. La poule du village qu'on va te fier avec, ça va sauf que rester chier sur sa tête, sur ta tête. Ben oui. Pour montrer que tu n'as pas de péché envers ta mère, c'est beaucoup. Tu n'as pas besoin de grand chose pour que ta vie soit éclairée. Des gens qui t'encouragent, là, les mères de Facebook, là, ils t'achètent un billet d'avion. J'ai motivé, mais tu n'as pas eu la chance. Je ne sais pas combien tu as eu. Tu ne nous as pas dit combien tu as eu dans le litchi. Je pensais que tu devais prendre... Tu manques de sagesse. On devait même cotiser là-bas, ça atteint 2000 euros. Pourquoi je misais sur 2000? Parce que je comptais que tu t'achètes un billet d'avion. Tu pars même avec Marie, avec ta fille. C'est les vacances, ça te fait 2000. Arrivé là-bas, même si tu as faim, ta mère va te donner la banane. Tu vas manger. Tu arrives là-bas, tu mets les pieds à terre. Ta mère souffle sur toi, elle parle sur toi, elle crache le jujube sur toi en boum que na. Tu vas rentrer en bain, ta vie va donner. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Attends. Yeah. Attendez, j'enlève. Boum que na, j'ai dit que hein, le seul truc dont tu as besoin, c'est que ta mère parle avec toi. Tu as besoin, tant que tu ne t'entends pas avec ta mère, les mamans de Facebook que tu ramasses là, elles ne peuvent pas remplacer la mère là. Ce que tu fais là, c'est l'ombrakata. Et ces mamans là, vous les vieilles mères cachées derrière les réseaux sociaux, vous avez aussi des enfants. Vous avez vos enfants. Vous ne pouvez pas. En passant, Choupi a eu sa licence. Avec la mention très bien. Voilà. Donc, il m'a dit, maman, pardon, ne parle pas de ça dans tes choses de Facebook. Mais c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai accouché. C'est ma fierté. C'est normal. Oui. C'est comme ça. Il y a quoi? Envoyez les cœurs pour Choupi. Les beignets n'ont pas brûlé. Je connais, je sais comment elle fait mes beignets. Donc, maintenant, tu n'as pas besoin de trop. Tu as juste besoin que ta mère. Et tu vas faire la chèvre avec l'huile rouge. Tu vas tourner la chèvre avec l'huile rouge. Avec le. Tu vas tourner la chèvre dans la calebasse. Tu comprends? Voilà ça que tu dis. Oh. Voilà ça que tu dis d'aller faire. Quand tu vas arriver au pays. Tu prends le maïs, tu grises ça, tu écrases à la pierre. Toi-même, tu dois écraser. Maintenant, on prend le ndouette. Le ndouette. On prend le ndouette. On tourne avec le poulet. Le poulet du village, quand on brûle au feu, on déplume. On ne lave pas ça. On jette dans lui sa boue avec le ndouette. Une bouillie, une bouillie, une bouillie. Maintenant, tu vas manger ça et partager aussi. Boum, que tu dois te mettre que à genoux avant qu'on mette le ndouette. Dans ta main et tu lèches. Tu lèches le ndouette. Et tu partages aux gens qui sont autour de toi. Quand tu finis, tu parles là où on a enterré ta grand-mère et ton grand-père. Tu parles sur leur tombe, tu les demandes pardon. Oui, tu les demandes pardon. Et tu rentres en Europe. Tu vas trouver le bonheur. Voilà ça qui était dit, ne fais pas. Donc les mains là. Donc on voit, boum que n'a parle. Boum que n'a s'exprime. Les Camerounais écoutent. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec la sorcellerie? C'est la même chose que ma Fombo a fait avec moi. Vous voulez me détruire? On vous a envoyé derrière moi. On vous a demandé quelque chose. Le chapelet. Je marche avec le chapelet. J'ai ma Bible. Avant de dormir, je lis le psaume. Je lis le psaume chaque soir avant de dormir.
Ma fille et moi, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Vous qui partez envoyer les objets à ma mère pour monter ma mère contre moi, je ne vous dois rien. Je suis pauvre, je suis Isaac, je suis Boumkena. Je suis Boza, je suis fier d'être Boza. Vous voyez les gens qui meurent tout le temps en Méditerranée. Les gens meurent chaque jour à la Méditerranée. Si Dieu m'a fait grâce, parce que Dieu a oublié la peau, j'ai encore beaucoup de choses à vivre sur terre. Je suis jeune. J'ai la vie devant moi. Je ne suis pas accro d'être. C'est les vacances. C'est même parce que tu as envoyé l'audio là que j'ai décidé de venir te dénoncer sur les réseaux sociaux. Vois le châle. Quand je montre le châle de femme qui vous aide. On a raté les 200 personnes. Je vais mettre le. Vous allez écouter. Écoutez la sorcellerie, hein. Attendez, maman, viens au même bonjour. Attendez, on a atteint 200 personnes. Attendez, mets le jour d'écouter la sorcellerie. Écoutez la sorcellerie. Comme si moi, je n'ai pas dit. Écoutez la sorcellerie de Facebook, et maman. Je ne sais pas ce que moi, j'ai faux. Je ne sais pas ce que. Même ce qu'elle dit sur TikTok aujourd'hui, parfois, je peux faire les directs, même parfois, j'ai même peur de faire les directs, parfois. Parce que la peur. N'aie pas peur, boum, que j'ai la peur de faire les directs. Fais tes directs. Écoutez. Bonjour, maman. Écoutez. Nicole a mis un PayPal. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà, je pense que les gens ont déjà assez cotisé. En tout cas, je te reviens. Je m'en vais voir ce qui se passe. Je te reviens. Pourquoi tu dis le truc que tu essaies de Maman, je ne sais pas pour quel but tu vas te dire à ma mère, au lieu que c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? Pour qu'elle revienne sur moi, je ne sais pas pour quel but. Tu as mis combien? Tu pars entrer en contact avec ma mère pour parler de ça. Arrêtez de dire que tu reviens. De vos mamans à tu la reviens. Vous voyez mes chers frères et soeurs, regardez les pourquoi têtes. Tu donnes le numéro de ta mère à les femmes qui m'ont monté ma maman contre moi. On écoute encore, regardez la sorcellerie de regardez les femmes qui m'ont. Toi, la femme qui a envoyé le Dieu à ma mère, dont tu pensais que ma mère n'est pas m'envoyé le Dieu là. Hey. Voilà ta voix, écoute ta voix. Ta mère et toi, vous êtes même bien quand il faut le Congo ça. Donc c'est quand il faut le Congo ça. Les femmes sorcières des réseaux sociaux qui montent ma mère contre moi. Regardez les femmes sorcières. Regardez les femmes sorcières. C'est vous qui montez ma mère contre moi. Tu pars en donne l'argent à ta les lunettes de. Jusqu'à tu dis que tu pars vérifier. Pour que ma mère revienne. Tu ne savais pas que ma mère et moi en parlait. Voilà ce qu'elle m'a envoyé ton audio. Ta mère aussi aime le Congo, ça, Emma. Elle m'a envoyé ton WhatsApp. J'ai ta photo. Tu ne savais pas? C'est vous qui montez ma mère. Tu es une abeille. C'est vous qui montez ma mère contre moi pour qu'elle vienne me détruire sur la toile. Les abeilles. La quoi? Bonjour, maman. Les abeilles sous. Nicole a mis un PayPal. Le 2 novembre, n'oubliez pas. Ah, réservez vous ta mère. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà, je pense que les gens ont déjà assez cotisé. En tout cas, je te reviens. Je m'en vais voir ce qui souké. Se passe. Je te reviens. Oh non, que souké. Tu vas voir. C'est passé quand? Tu vas voir ce qui se passe. Tu reviens. Maman, Alice Nge, on a changé de numéro, ma soeur. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, maman. On change le numéro. Comment ta mère a le numéro de tous les gens de Facebook? On a changé de moi, je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Moi, je ne sais pas ce qui se passe, maman. Elle dit que c'est l'île de la tour. Moi, je ne comprends pas. Écoutons. Moi, je ne comprends pas si la voix ne sait pas. J'ai mis. Si on sait qui c'est qui, on date Facebook, on s'en date. Fleur bleue. Si c'est même elle, on date Facebook. Attends, quoi de vous? Je suis prête. Si c'est elle qui monte ma main contre moi, on va gâter Facebook. Bon, que n'a tu attends quoi pour gâter alors? Jusqu'ici. Depuis la lettre. C'est où la pétition? Si vous voulez me tuer, c'est moi qui voulais. On vous a demandé une personne sur Facebook. Hey. On vous a demandé une personne sur Facebook. Elle veut faire encore. Vous avez fait que toi tu envoies le que vous nous aménagez la Omi Jaguar. Boum que n'avait encore déjà fait. Boum que n'a. Pardon, laissez les gens se reposer un peu. Boum que n'a. Oh, ton litchi vient de se clôturer il y a peut-être 2 semaines. Boum que n'a. Laisse les gens. C'est les vacances. Les billets d'avion sont chers. Laissez les gens tranquilles avec les litchis. C'est chaud. Les gens doivent aller en vacances. Mais après le litchi, on respire même un peu, non? Mais c'est pour ça qu'on vous demande d'aller faire quelque chose. Allez faire quelque chose. Organisez même les petits, vous vendez même les caramels. Les femmes vont venir acheter pour vous faire plaisir. Il n'y a pas de sous-métier.
Oui. Organisez même les petites choses. Vous vendez même que les photos. Les fans vont venir. Ceux qui vous aiment vont venir acheter. L'autre jour, on a fait le meet and greet d'Orange Money. Au lieu de 80 personnes, on était peut-être 100. Oui. Faites quelque chose. Les temps sont durs pour tout le monde, maman. C'est chaud. Quand vous voyez que je parle matin, midi, soir, comme ça, là, je m'en vais aux États-Unis tacler les tables de soirée. Je m'en vais taper le salam. Je m'en vais attirer les gens des États-Unis que, pardon, venez le 2 novembre. Je ne veux pas m'asseoir et dire que je suis une star. Que wow, je suis une star. Olo kumbum kunasuke. Allô, on t'écoute. Yeah. Mais Vanessa, les Camerounais écoutent. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec la sorcellerie? C'est la même chose que ma femme a fait avec moi. Vous voulez me détruire? On vous a envoyé derrière moi? On vous a demandé une cible sur Dieu pour faire moi? Ma peau est amère. Je marche avec ça, le chapelet. Je marche avec le chapelet. Mara, que tu as insulté là. J'ai ma Bible. Avant de dormir, je lis le psaume. Je lis le psaume. Je comprends pas, Maya. Chaque soir, les gens de l'église qui parlent de l'église. Ma fille et moi, nous sommes protégés par le sang. Vous qui partez en voie, vous venez à ma mère pour monter ma mère contre moi. Je ne vous dois rien. Je suis pauvre, je suis Isaac, je suis Bumkena. Je suis Boza, je suis fier d'être Boza. Vous voyez les gens qui meurent dans la Méditerranée. Les gens meurent chaque jour à la Méditerranée. Si Dieu m'a fait grâce, parce que Dieu a vu qu'il a encore, j'ai encore beaucoup de choses à vivre sur terre. Je suis jeune. J'ai la vie devant moi. Je ne suis pas accro c'est les vacances. C'est même parce que tu as envoyé le Dieu là, qu'il est décidé de venir te dénoncer sur les réseaux sociaux. Voilà le genre, quand je montre le genre de femme qui vous aide. On a appelé 200 personnes, je vais mettre le Dieu là, écoutez. Écoutez la sorcellerie, hein. Attendez, maman dit là, oh, mais bonjour. Attendez, on a atteint 200 personnes. Attendez, mets le Dieu pour écouter la sorcellerie. Écoutez la sorcellerie. Entourez-vous des comme temps, si moi, la chance d'avoir les gens qui vous aiment. Écoutez la sorcellerie de Facebook. Comme les nids, vous voyez qu'on vous déteste. Je ne sais pas ce que moi je fais. Je ne sais pas ce que moi je fais. Je suis TikTok. Parfois, je peux faire les directs, même parfois, j'ai même peur de faire les directs parfois. Parce que la peur. Quand vous avez la chance d'avoir les gens qui vous aiment de vrai, comme les nous. Écoutez. Vous négligez. Bonjour, maman. Écoutez. Mais Nicole a mis un PayPal. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà, je pense que les gens ont déjà assez cotisé. En tout cas, je te reviens. Je vais voir ce qui se passe. Je te reviens. Toi, tu dis le truc que tu essaies. Maman, je ne sais pas pour quel but tu vas te dire à ma mère, alors que c'est la vérité. Pour qu'elle revienne sur moi. Je ne sais pas pour quel but. Tu pars entrer en contact avec ma mère pour parler de ça. Quand tu dis que tu reviens. Tu la reviens. Vous voyez mes chers frères et sœurs, regardez les détracteurs. Voilà les femmes qui montent ma maman contre moi. On écoute encore, regardez la sorcellerie de merci pour les étoiles, les choux. Regardez les femmes qui montent. Toi, la femme qui a envoyé le Dieu à ma mère. Donc tu pensais que ma mère n'était pas m'envoyer le Dieu là. Voilà ta voix, écoute ta voix. Voilà les femmes sorcières de mes réseaux sociaux. Tes lunettes, voilà non, c'est le lâche ma mère. Les réseaux sociaux qui montent ma mère contre moi. Regardez les femmes sorcières. Regardez les femmes sorcières. C'est vous qui montez ma mère contre moi. Ouais. Tu pars entrer en contact avec ma mère pour lui dire par rapport à quoi. C'est ça que tu dis que tu parles. Moi, il ne répond plus aux gens. Laisse. Ma mère revient sur... Tu le sais, on que ma mère m'en parlait. Voilà ce qu'elle m'a envoyé ton audio. Elle m'a envoyé ton WhatsApp. J'ai ta photo. Tu ne savais pas? C'est vous qui montez ma mère, tu es une abeille. Boum, que n'a gronde qui? Vous montez ma mère contre moi pour qu'elle vienne me détruire sur la croix. Écoutez la voix de la dame là. Que ta mère vient te détruire, ce n'est plus moi qui vais te détruire. Mais Nicole a mis un PayPal. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà.
gens, je pense même que les beignets, faites les beignets que vous vendez même. Je te reviens. Ça va donner. Si je lance direct que ça, je vais vendre les beignets. Les gens vont acheter seulement parce que c'est pas bon. Tu vas voir ce qui se passe. Beignets haricots, BH. Le jour que j'achète la maison en France, je fais les plats emportés. Ce qui se passe, maman. Je suis ici avec vous. Je forme les gens pour faire les beignets. On a changé de moi, je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Moi, je ne sais pas ce qui se passe, maman. Elle dit que c'est le nid de la tour. Moi, je ne comprends pas. Eh, Souké. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. J'ai mis. Si c'est qui, on gâte Facebook, on s'en gâte. Fleur bleue. Si c'est même elle, on gâte Facebook, ma soeur. Je suis prête qu'on gâte les réseaux sociaux. Mais j'attends, moi. Si c'est elle qui monte ma main contre moi, on va gâter Facebook, maman. Je suis prête. J'arrive jusqu'ici. Vous voulez, maman? Vous voulez me tuer? C'est vous voulez me tuer, c'est moi que vous voulez. On vous a demandé une personne sur Facebook. On vous a demandé une personne sur Facebook. Jusqu'à c'est sur moi que vous arrivez. Jusqu'à toi, tu envoies le Dieu à ma mère qu'on a mis quoi sur les réseaux sociaux, maman. Tu as cotisé combien, ma soeur hein? Jusqu'à ce que tu pars regarder. Hein? Donc c'est toi qui monte ma mère de venir m'insulter, de venir m'exposer sur la toi. Tu as ton enfant caché à la maison. Tu as ta famille cachée à la maison. Pourquoi tu n'exposes pas ta famille? C'est moi qui veux qu'on expose. Tu seras exposé, ma soeur. Je vais t'exposer. Flo Montagne ne m'arrête pas. Je vais t'exposer sur la toile. Moi, toute ta famille va t'exposer après mon live. Écoutez, tu si c'est la famille de n'importe qui, on va me mettre sur Facebook. On va vous dénoncer à partir d'aujourd'hui. Ou parce que tu étais à guerre, tu les familles des gens. Tu t'attendais avec ta mère. Quand tu t'attends avec ta mère, personne ne peut entrer entre vous. Les gens, quand tu t'entends avec ta maman, personne ne peut entrer. Oui. Bonjour, maman. Mais Nicole a mis un PayPal. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà je pense que j'ai déjà assez de temps. Je te reviens. Je te reviens. Il y a les boys, on a tellement de chers, maman. Tu essayes, on va te tuer. Merde! Oui, on va te faire encore les bonnes maman. Maman, tu vis passer à ma mère d'amour. Maman, je sais pas tu es passé contre moi parce que t'es pas à toi pour te dire. Si tu m'avais dit que Nicole ne soit plus comme ça là. Maman, tu vis passer à ma mère d'amour, ma mère chérie, ma mère que j'ai rencontrée dans les réseaux sociaux. Tu sais que tu es passé contre moi comme t'es pas appelé pour te dire. Si tu avais appelé, tu lui avais dit que je ne sors pas. Mais maman, il fallait que je vienne dénoncer ma mère. Après, c'est t'appeler. Calme ton cœur. Après ça, je vais t'appeler pour te dire. Pour te dire la personne. Je sais que tu as me dit que ne expose pas. Parce que tu es maman, que tu es gentille. Tu m'as demandé de sortir. Tu m'as demandé de sortir dans les réseaux sociaux. Ça fait depuis que je ne fais pas les directs. Parce que tu m'as dit que Nicole ne fait plus trop les directs. Maman, il fallait que j'expose cet âme. Parce qu'il fallait que je montre aux Camerounais que moi, je suis harcelée. Tu fumes quoi? Je fume ta maman, sale idiot. Maman, un déchet. Je vois maman, une poubelle. La poubelle peut traiter quelqu'un d'autre. Il fallait que je dénonce pour montrer aux Camerounais comment moi, Nicole Kecha, je suis harcelée dans les réseaux sociaux. Hey. C'est comme si les femmes-là de Facebook. On vous a demandé la tête de Nicole. C'est notre territoire. Mais vous n'aurez pas la tête de Nicole. Parce que moi, Nicole, je suis couverte du sang de Jésus. Amen. C'est Dieu qui me protège. Je dors avec le chapelet. Je mange avec le chapelet. Dieu me protège avec mon enfant. Si Dieu m'a permis d'être ici en Europe, c'est parce qu'il a voulu, parce qu'il m'a choisi, moi. Si tu savais que Dieu t'avait choisi, tu n'allais pas me protéger. Pas une femme d'élément qui est montée par le désert. Je pouvais mourir au désert, mais Dieu m'a protégé. Tu m'as protégé donc, quand entre les mains des Tunisiens, entre les mains des Libyens, tu m'as protégé entre les requins. Bah, il m'a fait grâce, je suis en train d'Italie. Il m'a fait grâce, j'ai eu mon enfant. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est moi-même qui ai porté mes pieds pour être dans les réseaux sociaux. Voilà, assume alors. Ce n'est ni ma mère, ce n'est ni ma famille, ce n'est ni le père de ma mère, c'est moi-même. Pour venir dénoncer mon beau, pour venir témoigner mon Jésus. Pourquoi tu n'as pas témoigné maintenant ton Jésus? Mais ça a pris comme ça a pris. Ma pépé m'a fabriqué. Moi-même, elle m'a fabriqué. Fabrication sur nous maintenant. Malgré mon faux français, malgré tout, les gens me suivent. Maman, tu es fabriqué. Je vous dois quoi? Hey. Qu'est-ce que je vous dois? Vous n'êtes pas fatigué. C'est le femme là qui te j'aime. Boumkena, nous on te veut encore. Boumkena, j'ai un message à passer à Boumkena. Vous gagnez quoi en faisant ça? Boumkena,
Je vais te dire la vérité. Nous, on te veut encore. C'est ton cerveau qu'on veut sucer. Là, maintenant, tu n'as encore rien fait. Boumkena, viens t'asseoir sur Facebook. On fait les directs ensemble, non, Boumkena. Tu pars où? Non, comment? Tu ne peux pas dire qu'on veut quoi? On n'a pas encore ton cerveau dans le femme-là de Facebook. C'est how? Non, Boumkena, tu ne peux pas go comme ça, jamais. Tu dois continuer. Normalement, tu devais même faire 5 directs par jour. Boumkena, tu es déjà fatigué. Tu mets dans les délais de souké. Non, 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 Boumkena, non. Jamais. Tu ne rancres pas. Quand on dit, elle rancre. Qu'elle rancre, Boumkena. Tu vas rester. Jamais. Les gens, Boumkena, reste. Tu restes. Tu ne rancres pas. Boumkena, va poum. Boumkena, non, 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 jamais. Quoi? Nous, on est resté 13 ans. Toi, tu vas rester 20 ans. Tu as encore le temps. Comment tu parles maintenant qu'il y a quoi? On n'a même pas encore commencé. On va t'accompagner dans ta chute là. Où tu voulais aller là, dans le Wataroute. Tu as dit que tu veux aller dans le carnival, non, Boumke? Boumke Nasuke. On va t'accompagner. Colloque église. C'est moi qui voulais. On vous a demandé une personne sur Facebook. On vous a demandé une personne sur Facebook. Ça, c'est sur moi que vous arrivez. Et qu'à toi, tu envoies le Dieu à ma mère. Que on a mis quoi sur les réseaux sociaux, maman? Tu as cotisé combien, ma soeur? Hein? Jusqu'à ce que tu pars regarder. Hein? Donc, c'est toi qui montes ma mère de venir m'insulter, de venir m'exposer sur la toile. Tu as ton enfant. Rose bébé. Tu as ta famille cachée. Je t'attends pour ta réservation. Coucou, Rose bébé. Attends, je fais un big up à une personne qui fait dans l'humanité, qui a même fait venir quelqu'un du pays, Rose Weber. Je te fais un big up et je t'attends le 2 novembre à Paris avec ton roll-up. Je salue Charles. Patricia Dior, oh l'ancien, oh blessé de guerre. Yeah, Patricia Dior, c'est comment non? Ancien blessé de guerre. Maman, le gars de Maroc, là, il faut prendre ta table. Je vais t'exposer, flon mon cœur, ne m'arrête pas. Je vais t'exposer sur la toile. Moi, toute ta famille va t'exposer après mon live. Écoutez, si c'est la voix de n'importe qui, on va me mettre sur Facebook. On va vous dénoncer à partir d'aujourd'hui. Vous passez au détail détruire les familles des gens. Mais c'est comment avec la pétition contre Flo de Lille pour l'avoir dénoncé les quatre lettres. C'est comment alors? Mais Nicole a mis un PayPal. Donne l'argent de ta mère qu'on a cotisé. Boumkena. Boumkena, remets. Le PayPal a été remis. Les gens déjà assez cotisé. En tout cas, oui. Je te reviens. Boumkena, tu manges. Tu as eu l'argent. Boumkena a eu 1800 euros. Merde! Maman, tu vis passer ma mère d'amour. Maman, je sais que tu es fâché contre moi parce que tu n'es pas prêt pour te dire. Boumkena, Dieu, même à Bepanda Voiri, là. Maman, Boumkena. Maman, tu vis passer ma mère d'amour. Bepanda Voiri, ma mère qui a pris les réseaux sociaux. Boumkena, tu as eu 1800 euros. Si je m'en viens prouver. Tu me dis que je ne sors pas. Boumkena. Maman, il fallait que je vienne dénoncer ma mère. Il faut que tu donnes d'abord pour ta patronne si c'est les 1800. Boumkena, attendez. Les gens, je parle souvent comme si Boumkena a eu 1800 euros. Dans le fait, il faut le partage. Boumkena, les 1800 euros que tu as eu, donne 500 euros à ta patronne, donne 600 euros à ta patronne. Oui. Boumkena, tu as eu 1800 euros dans le PayPal. Donne à ta mère 1000 euros. Les 800 euros, tu fais moitié avec ta patronne, c'est comment? Tu ne peux pas avoir 1800 euros et tu viens faire passer comme si tu n'as rien. Boumkena, partage l'argent. Boumkena, donne l'argent. On te donne 1800 euros. Tu manques, tu veux faire ta mère. Le triangle que tu as organisé avec le 17 de Facebook. Poste-nous à capture l'écran de ton PayPal si je mens.
Tu as eu 1800 euros bien comptés. Et t'assois, tu commets une sorcellerie. On va me bouffer. Fleur bleue, tu sais même elle est. On t'a fait pour ma soeur. Je suis prêt qu'on gâte les gens. Je suis là, on le gâte. Monica Jazz, on gâte pas. On va gâter Facebook, maman. Je suis prêt. J'en ai jusqu'ici. Vous voulez maman? Vous voulez me tuer? C'est vous voulez me tuer? C'est moi qui voulais. On vous a demandé une personne. Donne l'argent à ta mère, tu as eu 1800 euros. On vous a demandé une personne sur Facebook. C'est sur moi. 1 300 000, remets à ta mère. On a mis quoi sur les réseaux sociaux, maman? 1 300 000, donne les 1 300 000, ne manque pas. Qu'est-ce que tu vas regarder? On va te dénoncer. Donc c'est toi qui montes ma mère de venir m'insulter, de venir m'exposer sur la toile? Tu as ton enfant caché à la maison. Tu as ta famille cachée à la maison. Pourquoi tu n'exposes pas ta famille? Au loco. C'est moi qui veux qu'on expose. Tu seras exposé, ma soeur. Au loco, tu vas t'exposer. Flo Monta ne m'arrête pas. Je vais t'exposer sur la toile. Moi, toute ta famille va t'exposer après mon live. Le fait. Si c'est la voix de n'importe qui, on va me mettre sur Facebook. Mais, Moumkena, c'est comment avec la vous faites tout le. Tu détruis les familles des gens. Ta collègue là-bas, Tema Zou, Tema Fok, Tema Sapak, elle a mené sa mère. Mais Nicole a mis un PayPal. Wow, la dame qui parle, elle a une belle voix. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà, je pense que les gens ont déjà assez cotisé. En tout cas, je te reviens, je m'en vais voir ce qui se passe, je te reviens. Merde! Maman, maman, tu m'es passé à ma mère d'amour. Maman, je sais que tu es fâché contre moi parce que tu n'es pas à toi pour te dire. Si tu m'avais dit que Nicole ne sort plus comme ça là. C'est Moumkena elle-même qui a laissé le voice. C'est elle. Ce n'est pas quelqu'un. C'est elle-même qui a laissé le voice. Moumkena. Comme tu n'es pas appelé pour te dire. Si tu avais appelé, tu m'as dit que je ne sors pas. Mais maman, il fallait que je vienne dénoncer ma mère. Après, je vais t'appeler. Calme ton cœur. Après ça, je vais t'appeler pour te dire. Pour te dire la personne. Je sais que tu as dit que ne m'expose pas. Parce que tu es maman, que tu es gentille. Ah. Tu m'as demandé de sortir dans les réseaux sociaux. Ça fait depuis que je ne fais pas les directs. Parce que tu m'as dit que Nicole ne fait plus trop les directs. Non, laisse faire. Maman, il fallait que j'expose cette dame. Parce qu'il fallait que je montre aux Camerounais que moi, je suis harcelée. Maman, on te manque. Fais tes directs. Tu fumes quoi? Fais tes directs. Fume ta maman. On te manque. Fais tes directs. Maman, un déchet. C'est Moumkena elle-même qui a laissé le voice que vous voyez là. C'est elle-même, ce n'est pas quelqu'un. Je dénonce. Elle veut d'ailleurs lancer le litchi. Moi, Nicole Kecha, je suis harcelée dans les réseaux sociaux. C'est comme si les femmes là de Facebook, on nous a demandé la tête de Nicole. Mais vous n'aurez pas la tête de Nicole. Parce que moi, Nicole, je suis couverte du sang de Jésus. C'est Dieu qui me protège. Je dors avec le chapelet. Je marche avec le chapelet. Dieu me protège avec mon enfant. Si Dieu m'a permis d'être ici en Europe, c'est parce qu'il a voulu, parce qu'il m'a choisi, moi. Il faut choisir quelqu'un d'autre. Pas une femme d'Héman qui est montée au désert. Je peux mourir au désert, mais Dieu m'a protégé. C'est elle-même qui a laissé le voice. Entre les mains des Tunisiens, entre les mains des Moumkena, c'est ta voix. Protégé entre les requins. Il m'a fait grâce, je suis en train d'être. C'est ta voix. Il m'a fait grâce, j'ai eu mon enfant. Tu cherches la compassion, Moumkena, c'est ta voix. C'est toi-même qui a laissé ce voice. À ta mère. C'est pas comment se fait-il que tu as changé le numéro de ta mère cette fois? Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous voyez donc que c'est Moumkena elle-même? Je commence à voir que c'est elle-même qui m'a envoyé les voices confidentielles de sa mère. Elle a un faux profil. Oui, Moumkena a un faux profil. C'est elle-même qui tourne les gens dans le couscous. La voix que vous entendez là, c'est la voix de Moumkena. J'ai parlé avec Moumkena. Je connais sa voix. Moumkena a deux voix. Quand elle est sur Internet, elle a trois voix. Moumkena a trois voix. Moumkena, elle a sa voix de Facebook. Elle a la voix quand elle laisse le voice. Elle a la voix quand elle parle en direct au téléphone avec quelqu'un. Moumkena, tu as trois personnalités. C'est ta voix. Ce n'est pas quelqu'un. Elle veut lancer le. Je sais, souper Moumkena. Non, c'est elle-même. Arrêtez de mettre sur les gens, dis donc. Elle dit que le numéro de téléphone de sa mère a été changé. Donc elle est la seule à voir le numéro de sa mère. Arrêtez. Même dans le aide-moi à te tester. Arrêtez de prononcer certains noms dans mon direct. Sinon, je vous bloque. Victoria et Yango, moi, je vais te bloquer. Arrête de mettre que compresseur. Je te bloque. Va écrire ça ailleurs.
va écrire ça ailleurs. C'est la voix de Mboumkena. C'est sa voix elle-même. Oui. Parce qu'elle veut faire ça pour lancer la collecte de fonds. Elle a trois voix. Pourquoi tu es pas resté dans le beau zambou? Mais ça a pris comme ça a pris. T'as insulté un pasteur ici là. Ma pépé m'a fabriqué. Moi-même, elle m'a fabriqué. Elle, moi-même, malgré mon faux français, malgré tout, les gens me suivent. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous dois quoi? Qu'est-ce que je vous dois? Vous n'êtes pas fatigué. Oui, et Victorine et Yango, c'est elle-même. La sorcellerie vous donne quoi, maman? C'est un bon canal. Ça vous donne quoi? Vous moi, gagnez, on ne mange jamais, c'est un bon canal. Qu'est-ce que tu gagnes pour la femme là? Un bon canal, elle est fatiguée. En partant d'ici là. Yeah. Tu pensais aller dire. Le Tour de France n'est même pas arrivé aux montagnes des Alpes où on grimpe là. Bon canal, elle est fatiguée alors que le Tour de France n'est même pas encore arrivé aux Alpes. Là, on monte la colline, bon canal. Non. Le cinéma, comment? On a fait sur Facebook. On a exposé la sérologie de ma mère. Tu vois la dame là? C'est à quel niveau? La sérologie de ta mère, c'est ton combat. C'est où alors maintenant? Mais je connais à qui tu es. Dis-nous qui c'est. Pas ta voix. Pas ta voix, essaie de à qui tu es. Pas ta voix. C'est à qui tu es. C'est qui? Dis-nous. C'est normal. Tu trouves que c'est normal? Bungala, toi, vois. Tu as des enfants dans ta famille, la maison. Tu manques, Bungala, c'est toi. Si j'expose ta fille, ton enfant, tu seras. Bungala, laisse, ne veux pas. Il n'y a rien à cacher dans la vie. Arrêtez de faire chantage aux gens. Les gens t'ont aimé, t'ont conseillé. Tu n'as pas écouté. Si. Pourquoi tu trouves que si? Il y a quoi? Tu veux faire, tu exposes. On n'en a rien à foutre de toi. Tu n'es qu'une poubelle, Mboumkena. Tu n'es qu'une poubelle. Tu crois qu'on va te supplier? Non, ne sois pas calme. J'interpelle Mboumkena. Je dis à Mboumkena que je refuse son calme. Parce que Facebook, c'est la résistance. Nous ne sommes pas encore arrivés dans les... C'est le Tour de France. Nous ne sommes pas encore aux Alpes. Là où on monte les collines vers Chambéry, dans le sud là-bas. Mboumkena ne peut pas se fâcher quand on est encore en bas. Le Tour de France est encore dans les quartiers. Ça n'a pas encore commencé le grimpage. Le grimpage de ça, Mboumkena, tu ne peux pas te fatiguer. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Tu ne peux pas laisser Mboumkena. Tu fais le chantage au qui? Viens nous dire qui c'est. Mboumkena, tu as trois voix, c'est toi. Ouais, Mboumkena, Okolo. Tu m'as appelé, tu viens dire que je ne sors pas. Mais maman, il fallait que je vienne dénoncer ma mère. Maman, après, toujours les mères des gens. Donc, après ça, je vais t'appeler pour te dire la personne. Je sais que tu as dit que ne se posez pas. Parce que tu es maman, que tu es gentille. Tu m'as demandé de sortir. Dans les réseaux sociaux, ça fait depuis le temps que je ne fais pas les directs parce que tu m'as dit que Nicole ne fait plus trop les directs. Maman, il fallait que j'expose cette dame parce qu'il fallait que je montre aux Camerounais que moi je suis harcelée. Tu filmes quoi? Je filme ta maman, sale idiot. Maman, un déchet. Et maman, une poubelle. Il fallait que je dénonce pour montrer aux Camerounais comment moi, Nicole Kecha, je suis harcelée. Dans les réseaux sociaux. C'est comme si les femmes là de Facebook, on vous a demandé la tête de Nicole. Ah, hein? Mais vous n'aurez pas la tête de Nicole. Tête beau, quoi. Parce que moi, Nicole, la tête je suis de sang de Jésus. C'est Dieu qui me protège. Ah. Je dors avec le chapelet. Je marche avec le chapelet. Dieu me protège avec mon enfant. Si Dieu m'a permis d'être ici en Europe, c'est parce qu'il a voulu, parce qu'il m'a choisi, moi. Il faut choisir quelqu'un d'autre. Voilà les gens, voilà une femme derrière qui est morte. Au désert, je pouvais mourir au désert, mais Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé donc quand entre les mains des Tunisiens, entre les mains des Libyens, Dieu m'a protégé entre les requins. Bah, il m'a fait grâce, je suis entré en Italie. Il m'a fait grâce, j'ai eu mon enfant. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est moi-même qui ai porté mes pieds pour être dans les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un, ce n'est ni ma mère, ce n'est ni ma famille, ce n'est ni le père de Marie, c'est moi-même. Pour venir dénoncer mon beau, pour venir témoigner mon Jésus, pour venir témoigner mon Dieu. Mais ça a pris comme ça a pris. Ma pépé m'a fabriqué. Moi-même, elle m'a fabriqué. Elle, moi-même, malgré mon faux français, malgré tout, les gens me suivent. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous dois quoi?
Qu'est-ce que je vous dois? Vous n'êtes pas fatigué de voir une maman revenir sur les réseaux sociaux avec son enfant? La sorcellerie vous donne quoi, maman? Ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi en faisant ça? Qu'est-ce que tu gagnes, toi, la femme là? Qu'est-ce que toi, tu gagnes en partant dire cela? Tu gagnes quoi? Tu pensais aller dire à ma mère, elle devait me cacher. Tu pensais aller dire que je ne dis pas. Il y a quoi? Regardez comment vous êtes pour monter une maman contre sa fille. Le cinéma qu'on a fait sur Facebook, on croit exposer la théologie de ma mère. Tu vois la dame là? Est-ce que toi, tu as fait un poste par rapport à ça? Tu es caché en faux profil. Mais je connais à qui tu es. Pas ta voix. Pas ta voix, essaie de à qui tu es. Pas ta voix, essaie de à qui tu es. Tu trouves que c'est normal? Tu trouves que c'est normal? Tu as tes enfants à la maison, ta famille à la maison, toute ta famille sera exposée. Si j'expose ta fille, ton enfant, tu seras content. Si les gens entrent dans ta vie, tu serais content. Est-ce que tu serais content? Maman. C'est la question que moi je me pose. Est-ce que moi, la dame, tu serais content? Tu ne serais pas contente. Attends, là, je te reviens, j'appelle un peu un enfant de venir chercher les beignets parce que j'en ai fait. Aujourd'hui, j'ai vu la banane, c'était moins cher. J'ai seulement acheté pour acheter. J'ai acheté la banane pour faire les beignets. Donc, il faut que j'appelle maintenant. J'ai acheté la banane. Il y avait la banane moins chère à franc prix. Maintenant, il faut que j'appelle les gens pour venir chercher. Et je donne à mes enfants. Alors, je vais appeler l'enfant de l'une de mes mamans là. Il me faut appeler quelqu'un. Voilà. Oui, Yvon, ça va? C'est Tata Flore. Tu vas bien? Ouais, ça va, chérie. Tu as combien? Ouais, j'ai fait les beignets. Tu pourras passer chercher pour vous? Tu peux passer dans combien de temps? D'ici 30 minutes, super. Tu ramènes un tupperware ou pas? T'es où? Ou bien une petite marmite parce que c'est beaucoup. Hein. Mais j'ai pas fait le haricot, j'avais pas le temps. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Ok. Bon, Moumkna. Il y a quoi? Il y a quoi avec vous dans Facebook? Il y a quoi? Je suis calme dans mon coin. Il y a quoi? Moi, je ne sais pas. Vous qui me dites que Nicole change le numéro de ta mère. Ma mère n'est pas un enfant. Elle n'est pas un enfant. Elle a dit qu'elle a changé l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi elle donne son numéro à tout le monde. Je ne connais rien, mes mamans. Je vous prends à témoin. Je prends Facebook à témoin. Vous êtes déjà ma famille. Vous êtes déjà ma famille. Je vous prends à témoin. J'ai changé le numéro de ma mère quand elle était chez ma Robocop. Ma mari de nuit. Ma Robocop, elle a changé de numéro. Si ma mère passe son temps à batailler ses nouveaux numéros aux gens, vous allez m'apprendre, vous allez vous apprendre à moi, maman. Ce n'est pas à moi que vous allez vous apprendre. Je ne connais rien. Moi, je suis surpris que la dame là envoie le message sur WhatsApp à ma mère. Donc, elle a menté. Elle ment. Elle pose beaucoup de questions. Elle ment, c'est elle. Eh, puisqu'elle est à Paris. Oui, j'arrive demain à Paris. Donc, c'était juste pour vous dire que la main. Parce que le temps en voulant me détruire en passant par ma mère. Elle ment. Vous voyez, protégez-moi, priez pour moi. Quand vous priez la nuit en dormant, mettez-moi en prière. Moumkna, on a prié d'abord pour toi-même. Parce que je vous montre que dans les réseaux sociaux, les gens sont prêts à tout pour ma part. Hein, tu es qui? Ils ont vu quoi en moi? Je ne discute rien avec. Moumkna, tu es un roupéro. Tu n'es pas une star sur Facebook. Tu es un roupéro. Tu es la travailleuse sans salaire. Des personnes que tu as trouvées. En l'occurrence, j'ai refusé que tu travailles pour moi, Boumkna. C'est moi qui ai refusé. Mais ton travail ne m'intéresse pas. Moi, je suis une grande travailleuse sans salaire. Et j'ai mes abeilles. Non. Mes abeilles sont les travailleuses sans salaire.
Donc, bon, que je n'avais pas besoin que tu travailles pour moi. Tu ne me sers à rien. Bon, que tu ne peux pas poum. Le poum là, de poum là. Bon, que tu fumes quoi? Mal le cœur. Le cœur. Tu vas rester sur Facebook et comprendre ce que nous, on a perdu. Bon, que si on te dit, nous, qu'on a perdu sur Facebook, tu vas croire. Tu croyais que c'était Tata Lolo? Tu croyais que c'était Yamse? Tu es resté 10 ans sur Yamse. Tu croyais que tu m'as affronté. Je t'ai montré un boum kena en quelques jours. Je t'ai montré que je suis le contenant de contenant. Contenant of Denga. Attendez, lancez les beignets. Sorcière, c'est vous. Une fille qui chasse sa mère dans la maison, elle complote. Moi, tu touches à ta mère. Tu ne savais pas. On est ennemis. C'est vous qui montez ma mère. Tu es ta mère. Même dans la maison. C'est vous qui montez ma mère contre moi. Vous êtes le tenu sur la toile. Écoutez la voix de la dame là. Je ne sais pas que la tante, l'oncle, tu es même mon oncle. Tu parles mal à ma mère. Nicolas, mais. Toi et moi, c'est fini pour toujours. Elle a mis un PayPal pour qu'on t'aide. Le PayPal est déjà, je pense que les gens ont déjà assez cotisé. En tout cas, je te reviens. Je vais voir ce qui se passe. Je te reviens. Tu vas voir. C'est passé quand? Tu vas voir. Tu vas voir ce qui se passe. Tu reviens. Maman, Alice Ngué, on a changé de numéro, ma soeur. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, maman. Je suis ici avec vous dans les réseaux sociaux. On a changé de moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Moi, je ne sais pas ce qui se passe, maman. Elle dit que c'est l'idée de la tour. Moi, je ne comprends pas. Écoutons. Moi, je ne comprends pas, c'est la voix. Je ne sais pas. Yo, Yemi. Si c'est qui, on gâte Facebook, on en gâte. Maman, c'est toi qui vas pleurer. Fleur. Si c'est même elle, on gâte Facebook, ma soeur. Je suis prête qu'on gâte les réseaux sociaux. Je suis prête. Si c'est elle qui monte ma main contre moi, on va gâter Facebook. Gâte-moi, je suis prête. J'en ai jusqu'ici. Vous voulez, maman? Vous voulez me tuer? C'est vous voulez me tuer? C'est moi qui voulais. On vous a demandé une personne sur Facebook. On vous a demandé une personne sur Facebook. Jusqu'à c'est sur moi que vous arrivez. Jusqu'à toi, tu envoies le Dieu à ma mère que on a mis quoi sur les réseaux sociaux, maman? Tu as cotisé combien, ma soeur? Hein? Jusqu'à ce que tu pars regarder. Hein? Donc c'est toi qui montes ma mère de venir m'insulter, de venir m'exposer sur la toile. Tu as ton enfant caché à la maison. Tu as ta famille cachée à la maison. Pourquoi tu n'exposes pas ta famille? C'est moi qui veux qu'on expose. Tu seras exposée, ma soeur. Je vais t'exposer. Flon mental ne m'arrête pas. Je vais t'exposer sur la toile. Moi, toute ta famille va t'exposer. On va vous dénoncer à partir d'aujourd'hui. Vous passez de temps à détruire les familles des gens. J'appelle un peu Choupi, je lui demande si je l'envoie les beignets à Lille. Il y a des gens qui vont en vacances chez lui. Demande un peu à Choupi si je l'envoie les beignets. Les coches aussi, non? Est-ce qu'il va décocher? Choupi décoche, non. Je veux savoir si tu envoies les beignets.
Oh. Et puis aussi, elle fait quoi avec tout ça là? Elle n'a pas d'enfant ici. Oh, je vais donner à qui? Elle s'est m'en fait baigner parce qu'elle veut la banane moins chère. Ouais, c'est les mamans. Il est sûr que... Poupouyou, maintenant j'appelle la mère de Poupouyou. Allô? Oui, bonjour, ça va? Ça va et toi? Bien. En tout cas, je comprends pour Loïc, hein, il a eu sa licence. Oui, oui. Dis-moi, il est là ou pas? Oui, il est là. Passe-le-moi. MBC, Chou, je t'appelle, tu ne vas pas décrocher ton téléphone. Tu es même comment? Ça veut dire quoi? Non, Katria, mamie, grand-mère te défend ici, hein. Oubouyou, ça va mon cœur? Ça va mon amour? J'ai bu un champagne pour ton diplôme. Appelle ton père, non? Tu es un père. Chou, dis-moi, j'ai fait les beignets, les gens qui arrivent en vacances chez toi, ils t'envoient les beignets. Je t'envoie les beignets maïs que j'ai fait. Je suis en train de faire beignets maïs, t'envoie. Attends, tu as fait le beignet maïs, ils arrivent le 14 juin. Oh non, je t'envoie, Denise arrive chez toi dans la semaine, non. Je monte à Paris demain. Je remets là-bas. C'est beignet maïs. Elle vient dimanche, non? Oui, elle vient dimanche. On va congeler. Ok, fais alors. C'est bon, je vous envoie. Mais je te propose que les beignets, c'est tout, hein. Tu sais faire le haricot, non? Ok, je t'envoie les beignets ou pas? Ok, ça marche. C'est ce que je voulais savoir. Oui, c'est tout. Pourquoi? On va fêter ton diplôme quand je reviens des States. Ok. Oui, chérie. Quoi? Oui. Ok. D'accord, tu mérites. Je t'ai dit, bois la bouteille de champagne que j'avais laissée chez vous là. Tu peux boire. Et tu te souviens, j'avais laissé une bouteille là. C'est vrai, je suis partie avec. Oh là là. Ah ouais? Je suis en train de faire les beignets. En fait, à Franprix, il y avait la banane à 1 euro. Le kilo, j'ai acheté beaucoup. Après, je ne savais pas quoi faire avec. Je t'envoie, je partage aux gens. Pardon, partagez tout le monde. Mamie dit qu'on ne t'envoie pas tout, qu'on le garde aussi. Elle m'a été contente pour ton diplôme. Tout ça. Elle veut que tu as eu le diplôme. Elle s'est levée jusqu'à elle a couru. Elle a dit que, hein, yes, oui, elle était contente. Je pense qu'elle va t'envoyer même 10 euros, je suis sûr. Ah ben ouais, c'est vrai. C'est vrai, il était stressé, hein. Oh là là, courage. Heureusement, tu es ma belle fille chérie, je t'aime. Je t'aime, ma belle fille chérie. Parce que si tu étais passé à côté, tu serais en train de fumer la chicha partout, hein. Ah ouais, tu l'as sauvé, hein. Tu l'as trop sauvé, hein. Poupouyou d'amour. Je t'aime. Poupouyou. Poupouyou, je peux te voir, mon cœur. Ça va, Poupouille? Oh là là, ça va bien, tu fais quoi? Mara, elle est où? Mara, elle est couchée là-bas.
Oui, elle est couchée là-bas, mon cœur. T'es toute belle. Merci. Merci. Tu demandes toujours ma... Ah, tu me demandes pas. Ouais, tu vois déjà. Les abeilles, ils te disent bonjour. Les abeilles sont où? Les abeilles sont là, ils sont là-bas. Par exemple, dis aux abeilles que je les posais. Je vais bientôt ouvrir l'orphelinat. C'est le nouveau business. Choupi dit qu'il va ouvrir son orphelinat, hein. Ah. En tout cas. Poupouyou. Oui. Je t'aime. Tu vas commencer l'école bientôt. Je vais te montrer en Facebook comme ça là. C'est mieux. Ouais. Vous allez me suivre en différé parce que moi je suis aux États-Unis. Vous allez dormir alors que je dors et vous vous réveillez alors que je me réveille. Poupouyou, regarde. Maman, elle est là. Montre, regarde, chérie. Maman, elle est là. Tiens. Ah là, à pomme. Poupouyou, tu sais seulement dire qu'à pomme. À pomme. J'ai là, maman. J'ai là, mamie. Là. J'ai là. Elle dit, mamie, elle dit que oui, c'est le matin. Bisous, je vous laisse. À pont. Tu sais seulement dire à pont. Non, pas là, téléphone. Et parle à vous en même temps. Oh bon, on va dire quoi? Je n'aime pas ça. T'amuses pas avec moi. On entend parler de lui, hein. C'est le gars. Là, vous faites une place, oui. Les abeilles sont les enfants cotisés. Les abeilles, on les paie. Tu as mangé quoi, mon cœur? J'ai mangé quoi? Le, tu es belle. Et ta mère, elle arrête de tirer tes cheveux, hein? Non, même pas coiffé. Tu manges quoi, mon cœur? Oui. Tu manges quoi? La bouche est pleine, le saucisson. Oui, non, elle a tout mis. Oh, tu aimes trop les saucissons. Ouais, parce que je veux manger seul. Ça a tout mis dans la bouche. Vraiment. Mais non. En tout cas, oui chérie. En tout cas, je suis là. Rase tes cheveux là. Je n'aime pas te voir avec les cheveux comme ça. Je te dis ça depuis. Il est laid. Il est trop laid. Mais je te dis, rase tes... Moi, je comprends pas. Pourquoi tu laisses les cheveux comme ça? Je comprends pas. C'est le grimba. C'est pas la même chance. Enlève les cheveux sur ce que ce soit sur la tête. Je n'aime pas ça, je te préviens, je n'aime pas ça. Ça passe pour le bonnet sur la tête. Je n'aime pas, j'ai le bonnet de mamie. Je n'aime pas les cheveux qu'on a sur la tête. Tu dis rase, tu t'envoies 10 euros là, 12 euros. Tu passes chez Adouké. Tiens, va ranger. Ne salis pas tes fans, fais plus. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ne salis pas tes fans. Oui, ouais, le mendiant de Choupi, c'est Choupi, c'est un mendiata. Mendiata! Il va ouvrir l'orphelinat. C'est Mandiata. Mandiata. Chou, bisous, non? Bisous, bisous. Bye. Bye. T'envoies les beignets. Ok. Monte un peu ton salon, voir. Donc, les cachous. Maman, c'est un boum que n'a qui parle. Ma part quoi là-dedans? Boum qu'on a dit que. Boum qu'on a en train de dire que. Wow, elle pleure. Boum qu'on a pleuré déjà. Que te dit la personne? Est-ce que tu vas me dire que ne m'expose pas? Parce que tu es maman, que tu es gentille. Tu m'as demandé de sortir. Tu m'as demandé de sortir dans les réseaux sociaux. Ça fait depuis que je ne fais pas les directs parce que tu m'as dit que Nicole ne fait plus trop les directs. Souké. Maman, il fallait que j'expose cette âme. Souké. Parce qu'il fallait que je montre au Camerounais que moi, je suis harcelée. Non, n'est pas chaud, chérie. Tu fumes quoi? Je fume ta maman, sale idiot. Hey. Maman, un déchet. Chouké, choukré. Et vraiment une poubelle. Souké, qui t'a conseillé les lunettes? Il fallait que je dénonce pour montrer au Camerounais comment moi, Nicole Kétia, je suis harcelée dans les réseaux sociaux. C'est comme si les femmes-là de Facebook, on nous a demandé la tête de Nicole. Mais vous n'aurez pas la tête de Nicole. Parce que moi, Nicole, je suis couvert du sang de Jésus. Ah. C'est Dieu qui me protège.
Je dors avec le chapelet. Je marche avec le chapelet. Dieu me protège avec mon enfant. Hein? Si Dieu m'a permis d'être ici en Europe, c'est parce qu'il a voulu, parce qu'il a choisi moi. Si tu avais pensé ça, tu ne serais pas là où tu es. Voilà les gens, voilà une femme derrière qui est montée au désert. Je pouvais mourir au désert, mais Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé donc quand entre les mains des Tunisiens, entre les mains des Libyens. Dieu m'a protégé entre les requins. Bah, il m'a fait grâce. Je suis entrée en Italie. Il m'a fait grâce. J'ai eu mon enfant. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est moi-même qui ai porté mes pieds pour être dans les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un. Ce n'est ni ma mère, ce n'est ni ma famille, ce n'est ni le père de Marie. C'est moi-même. Pour venir dénoncer mon beau, pour venir témoigner mon Jésus. Pour venir témoigner mon Dieu. Mais ça a pris comme ça a pris. Ma pépé m'a fabriqué. Moi-même. Elle m'a fabriqué. Moi-même. Malgré mon faux français, malgré tout, les gens me suivent. Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous dois quoi? Qu'est-ce que je vous dois? Vous n'êtes pas fatigué de voir une maman revenir sur les réseaux sociaux avec son enfant? La sorcellerie vous donne quoi, maman? Sorcellerie. Ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi en faisant ça? Yeah. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, la femme là? Qu'est-ce que toi, tu gagnes en partant dire cela? Tu gagnes quoi? Tu pensais aller dire à ma mère, elle devait me cacher. Tu pensais aller dire. Que je ne dis pas, il y a quoi? Regardez comment vous êtes pour monter maman contre sa fille. Le cinéma qu'on a fait sur Facebook, on voit exposer la sérologie de ma mère. Toi, la dame là, est-ce que toi tu as fait le combat? Le combat de la sérologie, c'est déjà fini. Je connais à qui tu es. Vous que apprenez à finir un combat et commencer l'autre. Pas ta voix, essaie de qui tu es. Pas ta voix, essaie de qui tu es. Tu trouves que c'est normal? Tu trouves que c'est normal? Tu as tes enfants là-bas. Pardon, il faut liker les lives. Toute ta famille sera exposée. Si il faut liker. Si tu fille, ton enfant, tu seras content. Si les gens entrent dans ta vie, tu serais content. Est-ce que tu serais content? C'est la question que moi je me pose. Est-ce que toi, la dame là, tu serais content? Entre dans sa vie, Boumkena. Entre. Entre. Il y a quoi avec vous dans ce cas? Les vieilles femmes qui ont réussi leur vie en belle, tu t'assois là. Il y a quoi? Je suis calme dans mon coin. Il y a quoi? Moi, je ne sais pas. Vous qui me dites que Nicole change au niveau de ta mère. Ma mère n'est pas un enfant. Elle n'est pas un enfant. Elle a dit qu'elle a chanté l'année dernière. C'est pas pourquoi elle donne son humour à tout le monde. Je ne connais rien, mes mamans. Je vous prends à témoin. Je prends Facebook à témoin. Vous êtes déjà ma famille. Vous êtes déjà ma famille. Je vous prends à témoin. J'ai changé le numéro de ma mère quand elle était chez ma Lofobo, ma mari de nuit. Marque la rose, un big up. Elle a changé de numéro. Si ma mère passe son temps à partager ce nouveau numéro aux gens, vous allez vous apprendre à moi, maman. Ma mère est plus intelligente que toi. Elle est plus intelligente. Je ne connais rien. Moi, je suis surpris que la dame là envoie le message sur WhatsApp à ma mère. Ça veut dire que ma mère a beaucoup. Ça veut dire qu'elle cause avec beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Elle cause avec beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Moi, je n'en sais rien. Ah oui. Donc, c'était juste. Tu ne peux pas accuser une personne alors que, au lot que ta mère cause avec beaucoup d'argent, c'est que vu qu'au lot que. En passant par ma mère, vous voyez, protégez-moi, priez pour moi. Quand vous priez la nuit, mettez-moi en prière avec mon enfant mari. Au lot que. Parce que je vous montre que dans les réseaux sociaux, les gens sont prêts à tout pour ma part. Ou bien ils ont vu quoi en moi, je ne sais pas. Je ne discute rien avec personne sur la toile. Donc, Monica Dja, je t'attends le 2 novembre. L'Italie sera représentée, maman, sexy. Ça doit être, les gars de Paris vont tomber sans blesser. Ça doit être captivante. C'est tout. Ça doit être captivante. C'est tout. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que moi, je vous porte? Toi, la dame là, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Pourquoi elle dit ça? J'ai lancé pour que tu reviennes dans les clashs. Tu dis que tu es parti, tu pars où? Tu reviens propre. Pour qu'elle revienne encore pour expliquer ma vie, pour dire que j'ai le sida, pour dire que j'ai ceci. Le sida, ce n'est pas une fin en soi. J'accepte ce que vous avez dit. Le sida, ce n'est pas une fin en soi. Tu dois faire la sensibilisation contre le VIH. Dieu, pour vous dire que je suis un enfant de Dieu. Tu dois faire la sensibilisation. Grâce à mon sida, Dieu m'a donné une perle en or qui est Marie-Aura, qui est maman en Métis. Que maman a italienne, c'est pas donné à n'importe qui. Avec mon sida en 2018, j'ai eu mon enfant en 2019. On compte les gens là au bout des doigts, on ne voit pas.
C'est pour vous dire que je suis comme ça. Je suis un enfant de Dieu. Donc laissez-moi en paix. Laissez-moi dans ma pauvre, dans ma petite, dans mon petit tube, je suis ici. Je ne suis rien. Dépose-moi, maman. Déposez-moi. Quand je vais revenir en France. Ma contenance. Ma tête d'amour. C'est comme moi dans ma mère chérie. Beaucoup de courage. Les contenances. Moi, je suis content. Ma tête, tu vas m'aider, maman. Moi, je suis contenance, maman. Pardon. Moi, je suis contenance. Oh, hein. Et là, comment maman m'a mis mes pères. Elles m'ont payé les droits d'auteur. Sur les contenances de Facebook, on va plus se laisser faire. Donc maintenant, ma tête, tu vas ta petite sur les contenances maintenant, maman. Les contenances de ça. Moi, je suis contenance. Oh, hein. Je suis allé payer mes pères. Et ça, moi, je suis contenance. Oh, hein. C'est pas le lait. Moi, je suis contenance. Je suis contenance. Elles m'ont payé les droits d'auteur, non? Hein? Payer les droits d'auteur chez la patronne, non? Je vais montrer à ma tête. Ta fille est dans le réseau, hein. Ta fille dans le mobile, pas où? Ta petite soeur est contenance. Donc, quand tu veux mettre tes contenances, même moi, mets ta petite soeur dedans. Parce que moi, je suis une contenance, maman. Il va m'aider. Parce que ma pari va choper le week-end, maman. Pardon. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais maman, priez pour votre fille, Nicole. Les gens me veulent du mal sur la poêle. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait. Je ne sais pas. Là, par exemple, ma mari de nuit, elle est toujours sur moi. Je ne sais pas ce que moi je lui ai fait. Malgré. Tout ce qu'elle s'achève, elle me dit que, donc, tu vois un peu, ma mère, c'est son problème. C'était juste pour vous dire que, voilà, ce qui se passe. Même si c'est elle, même si c'est la personne que tu dis là, on va l'exposer. On va l'exposer. Elle, toi, tu serais exposée. Toi, la mère, là, tu serais exposée. Quand? Même tu serais exposée, il y a ta photo. Mais quand alors? Ma Thérèse, qui va se négliger, ma mère? Qui va se négliger? Personne va se négliger. Nous sommes les contenances, maman. On est la team des contenances. Oh, on a pris le pouvoir du méta. Nous avons pris le. Il m'a manqué la patronne. Ma... En tout cas, je vous laisse. Oh, on va. Eric, on va arriver, maman. En tout cas, je vous aime, nous. Bisous. Maintenant, c'est mon chic, tu vois. Mais ça veut dire que. Allô? Ah, ils m'ont fait tomber, oui. Oui, oui. Oui. Tout ce qu'il faut.